pardon. T'es dégueulasse, toi. Oh, ça va. Pourquoi tu fais des trucs comme ça? Ça va. Sérieux? Ça va. Mais pourquoi tu fais ça? Ça va. Mais pourquoi tu fais ça? J'avais besoin de faire roter, il fallait que je rote, je peux pas garder ça en moi. Après, ouais, ça monte le cerveau, je deviens con. Ah, d'accord. Mais à mon avis, y a pas besoin de ça. Hein. Bon, mais ouais, joli, qu'est-ce que tu fais avec ta langue, là? Range ta langue. joli piercing, cher. Ouais. C'est bien parce que j'aimerais bien que tu sois ma vache laitière, tu vois. Je te mettrai en plus un anneau ici. Et puis, je te mettrai dans mon jardin, tu brouteras toute la journée. Qu'est-ce que tu penses? Putain, mais sérieux, mais vous avez quoi ce soir? Moi, j'ai rien, moi. Qu'est-ce que t'as? Tu peux faire pour voir. Non, mais vas-y, mais craque pas non plus, arrête. Vas-y, matche-moi, je suis un professionnel de la jungle. Milieu récupérateur ou pas? Oh, le temps. Je vais t'ASMR, je vais sortir un album, ça s'appelle The Jungle. T'es énorme. Beau gosse, eh, franchement, il est belle entrée. C'est quand la dernière fois que t'as fait l'amour? Il y a 3 semaines. Ok. T'as un garçon en ce moment sur qui t'as des vues? Plus ou moins. Et est-ce que moi j'ai des chances? Non. Aucune? Aucune. J'ai rien? Aucune. À 9 secondes, tu me dis ça? Bon, remets un cœur, je reviens. Mais j'aime bien ta franchise, c'est bien. Franchement, t'es... Comment tu vas? Avoue, t'as mis ton meilleur profil, t'as laissé 30 secondes genre comme ça là. Non, ça va, tout va bien. Ça me fait plaisir de te parler, c'est bien ce système de questions là, ça change un peu des autres michetots là sur l'OVO. Bah en fait, ils te posent des questions et après j'essaie d'en inventer aussi. Ah d'ailleurs, j'ai une question à te poser, t'es prêt ou pas? Ouais, bien sûr. T'as 2 bancs, t'es obligé de t'asseoir sur l'un. Donc il y en a un en fait, il y a un gâteau et l'autre il y a une bite. T'es obligé de manger un ce qu'il y a sur des 2 bancs. Donc tu préfères quoi? T'asseoir sur le gâteau, manger une bite ou t'asseoir sur la bite et manger le gâteau? M'asseoir sur la bite. Et manger le gâteau? Bien sûr. T'as la dalle. Alors, tu kiffes trop les gâteaux. Surtout les bites dans le cul, je suis bi. Sérieux? Ouais. T'es déchire en fait. Putain, mais ça va, je te pose la question alors. Ah, t'es délicieux. J'adore ton... T'as mis quoi? T'as mis un eyeliner? C'est quoi? C'est du kohl? C'est magnifique ça. Merci, c'est gentil. Mon ex aussi, elle mettait ça, mais je l'ai quitté une semaine après d'ailleurs. Parce qu'en fait, en gros, elle mettait du blush à outrance. Ça me saoulait. T'es vénère toi un peu, non? Non, c'est parce que, je sais pas, j'ai passé une sale journée. En tout cas, en te voyant comme ça sourire, t'es pas matché avec moi un petit peu, qu'on aille parler en privé, toi et moi? Non, pas possible. Putain, casse les couilles, sérieuse. C'est tout ce qu'il a, non mais sérieux, mais c'est quoi ce psychopathe? Mais non, mais t'es sérieux? Qui te manque le plus tout de suite maintenant? Je sais pas, là, je peux pas te dire. Quel est ton jeu de société préféré? Wesh, moi je joue pas aux jeux de société, wesh. Pardon. Mais elle est sérieuse. T'es sérieuse là? Ah, t'es sérieuse à roter là? Eh, tu niques tout là. Elle mérite le crachat, c'est quoi? T'es sérieuse là? Eh, sale pute, tu craches pas, tu me craches pas dessus comme ça là. T'es sérieuse là? J'aimerais intervenir, c'est pas comme ça qu'on s'exprime avec une femme, il est complètement fada celui-là. Bonsoir ma pitchoune. Non mais oh, mec, tu veux voir des mecs? Tu veux voir des mecs? Eh bah tu vas me voir moi avec des potos à moi. Ah, bonsoir Issat, comment vas-tu? Pourquoi elle a fait ça, ça les gars? Ça va très bien, merci. Je me présente, Jérôme de Vince Banderos, producteur réalisateur du site Vince Banderos. Ils sont vraiment fada sur ton live. Hein. Moi, je viens pour une remarque sérieuse en plus. Je suis producteur réalisateur de films pour Vince Banderos. Je ne sais pas si tu connais à l'occasion. Et je te trouve totalement charmante et tu rentres parfaitement dans le cadre et dans le profil de ce que je recherche. Je vois que tu es complètement en train de rigoler et tu te payes ma tranche. Non, sérieux, dis... Non, mais... sérieuse? Voilà, eh, je veux juste dire... Je ne plaisante pas, hein, le Guadada dans le live. Je propose réellement des films, je suis réalisateur. Donc si ça t'intéresse, on peut en parler en privé, parce que je pense que là, avec tous les macaques qu'il y a sur ton live, tu ne l'auras peut-être pas. C'est rémunéré 1000 à 2000 euros les 3 heures de tournage. À toi de voir. Là, j'ai envie de dire, les cartes sont dans tes mains. Mais elle a un bon regard, dans ton cul, à toi de voir. C'est qui lui? Mais fais-toi, c'est quoi? New player is coming? Allonge-toi, j'en ai marre. C'est qui lui? Mais j'en ai marre. Elle a une gosse arrête, en plus, arrête, mais non. Arrête, Adé, mais parce que t'as vu l'heure qu'il est? Est-ce que... Oh non, sérieux. Salut. Non, mais t'es énorme aussi. Je vais faire baiser, t'as le gamin à côté. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Non. Oh non. Donne ton gosse, là. Pourquoi elle fait ça, là? T'inquiète pas, beau papa, il a un peu bu ce soir. Il arrive à la maison, ça va bien se passer. T'es un grand malade. Chérie, je suis rentré. Allez, viens prendre ton coup dans la gueule. Allez, et fais fermer sa gueule au sale gosse. Là. Cet enfant de pute là, que t'as fait avec l'autre con. Là. Allez, et après, on va.
Baiser. Oh mais lâchez-moi, quel super exemple, lâchez-moi. C'est un grand malade, mais en plus c'est sûr que t'es un bel exemple pour la jeunesse, ouais. Mère célibataire sur le haut avec son gamin qui gueule derrière. Bravo. Oh ça va. Allez, match-moi avant que j'appelle l'Adas, sale catin. Oh, t'as raison, allez vas-y. Je vais être poucave, ma mère elle bosse aux impôts de l'Adas de l'URSSAF, tu vas morfler. Vas-y. T'es fini dans le métier, t'es fini. Sérieux. Eh hey, sérieux les gars, vous me fatiguez. Salut. Yoann, je vous pose une question. Ouais, dis-moi. C'est une perruque ou c'est tes vrais cheveux? Non, c'est une perruque. Merci. Mais c'est joli, hein. En tout cas, toi, tu présentes bien, je te trouve très jolie. J'aime beaucoup ton piercing à la lèvre, c'est vraiment très joli. Merci. Et, du coup, je voulais savoir si tu pouvais me poser quelques questions. Vas-y, c'est parti. T'es prêt? On va voir. Ouais, je suis prêt. Alors, parce qu'attends, parce qu'en fait, les questions, elles sont pas entières. Ouais. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui t'attire en moi? Bon, super. Ouais, le piercing, le sourcil. Djibril Cissé, j'aime bien. Ça fait un style, je trouve. Très joli. Quel est ton groupe préféré? J'aime bien The Strokes. Connais pas. Putain, mais elles sont pas entières. Comment décrirais-tu ta personnalité? Plutôt attachant, je dirais. C'est comme ça que les gens me décrivent en général. Qu'est-ce qui te faisait le plus peur quand tu étais jeune? Que mon père revienne pas quand il va chercher des clopes, en général. T'arrives-t-il de chanter sous la douche? Ouais, ça m'arrive. La nuit est chaude, la nuit est belle, elle est sauvage. Avec ou sans la perruque? Oh, ça dépend. À une fête de village, je dirais pas non à la perruque. Quel serait ton dernier repas? Au hasard, comme ça, je dirais ta grosse chatte. Il fallait bien que ça parte en couille la dernière seconde, sérieux. Non mais franchement, mais putain, mais sérieux. Das du 7-6, mais il est pas sérieux. Bonsoir, vous allez bien? C'est reparti. Comment ça? Non mais me squeezez pas, madame. En fait, c'est que j'avais plein de cadeaux à vous offrir ce soir. Alors, je voulais savoir si ça vous intéressait. Mais sinon, tu galères ou pas? Putain, c'est la merde. Le boulot de comédien sur l'OVU, ça paye pas. Je suis obligé de me taper des cuites à la 33 Export. Je te jure, hein, avant, on était payé quoi? 10€ de l'heure. Maintenant, avec le Covid, y a que des cassos qui ont pas d'argent. On touche même pas 0,13 centimes. Par heure. Tu te rends compte ou pas? Je suis à deux doigts de punir à la rue, moi. Jordan, ouais. C'est dommage, tu me faisais rire tout à l'heure. J'aime bien ce silence, j'adore, je kiffe. Oh, magnifique presta. Pourquoi tu l'as squeezé le mec d'avant là? Squeezie? Pourquoi tu l'as viré le mec? Squeezer, viré. Pourquoi tu l'as enlevé le mec d'avant là? Tu connais Squeezie? Mais pas Squeezie le chanteur, putain, squeezer, l'enlever. Squeezie le chanteur. Victor, s'il te plaît. Squeezie, c'est pas un chanteur. Mais putain, mais suis l'actu, tu vis où toi? Mais Squeezie, c'est pas un chanteur, ça. Vous êtes confiné depuis combien de temps? 2000, les années 2000? Quand t'es sorti de tes parents et de ta mère, non? C'est, putain, mais lève-toi le matin et renseigne-toi un peu. Mais Squeezie, c'est un youtubeur, fils de pute. Mais c'est pas un youtubeur, il fait de la chanson aussi, il a sorti un album de merde. Mais Squeezie, de base, c'est un youtubeur. Après, il a fait des chansons, mais c'est un youtubeur, mon pote. Oui, mais c'est aussi un chanteur. Je sais pas, toi, comment je te qualifie, toi, par exemple? De l'ovouyenne ou t'as d'autres activités dans la vie? Mon activité principale, c'est faire la... D'avoir des diamants sur le vous? Tu gagnes combien par mois avec les diamants sur le vous? Entre 10 000 et 15 000. Dire que t'aurais même pas ça en faisant du bar à champagne, quoi. Vraiment, t'as bien trouvé ton job. Ouais, c'est cool. Bravo. Tu peux matcher, s'il te plaît? J'ai une proposition. Je suis un pressario chez Pascal OP. Oh non, putain, arrête avec ça, les gars. C'est quoi ça? Ah, je les encule. Eh, ceux qui me suivent, je vous encule. Ok, bon, toi. Simon, fais un compte. Mets ta photo, viens, tu mets en favori, tu viens. Bon, sinon, je le clash, les gars. Tranquille. Eh, mais moi, je les baise. Moi, je m'en bats les couilles. Hop. Il est moche, mais je t'encule, Simon. Je t'encule, je profonce. Je te baise. Salut, Baklava. Pardon? Vous m'appelez comment? Baklava. Tu m'appelles Baklava, ça veut dire quoi? C'est ton prénom? Mais non, je m'appelle Loïc. Mais Marc, t'es Baklava. Je t'appelle pas Baklava. Non, je m'appelle Loïc. C'est pas une pâtisserie hyper grasse, c'est pour se dire, genre dire, lui dire qu'il est un peu gros, non? C'est vrai, t'es couturière. Attends, elle est grossophobe, elle est... Non, qui t'a dit ça? Mais je sais pas, tout à l'heure, t'as dit que t'étais couturière. Pas du tout, je dis que j'étais secrétaire. Ah, secrétaire, j'ai entendu couturière, du coup je comptais me péter le frein dans ton cul. Et puis, je suis pas secrétaire, là, comme ta mère, je suis vendeuse. Ah, oh, t'as une tête d'hamster, c'est trop chou. Bah bien sûr, j'ai une tête d'hamster, c'est quoi le problème? C'est pour mieux te brouter le fond du cul. T'as envie? Moi, je sais pas ce qui se passe.
Ils veulent tous cracher sur moi, ils sont tous en train ouais, de... Ouais, non mais j'ai vu, tranquille, tranquille, bébé. Tranquille, bébé. Tranquille, je suis là pour te rassurer, t'inquiète, je suis là. Ouais, par contre, Mowgli, va bien te faire enculer, il m'a parlé mal au mec dans le chat, là, espèce de bouffon. Repasse à l'antenne, tu vas voir, je vais terminer. Mira, elle est pour moi, parce que moi, je lui parle normal, parce que c'est une princesse. Je la mets sur un pédestal, la petite Mira. Je l'amènerai, je lui achèterai ses petits cloutboutins. On ira, elle et moi, main dans la main, tranquillement, dans les faire les petits magasins à Paris. Je vais te mettre yam. Ouais. Moi, je suis là pour te sortir de la misère, tu vois. Donc, voilà. Mowgli, je regarde dans le chat. Va bien te faire enculer. Enculé de ta race, ça bouffon, va. T'inquiète, Mira. Je voulais savoir, Mira, pourquoi tu fais, vu qu'on est ensemble maintenant, pourquoi tu fais la michto à chercher des mecs sur Internet? Parce que je te trouvais pas. Donc, du coup, là, vu que je t'ai trouvé, ben, je vais bien te pigeonner. C'est bon, je suis soulagé. Bah, pigeonne-moi bien la beuteux, là. Ma petite beuteux, là, juste en dessous, là. Sérieuse, là, parlez mal. Non, non, pas la butte. Je vais bien te pigeonner, je vais te laisser en chien. Tant qu'il sera en chienne. Tant qu'il sera en chienne. Non. Parle humble. Parle humble. Maintenant, faut le respect. Tiens, regarde. Tiens, regarde. Si tu tues. Si tu tues. Tu as peur. Je vais t'en dire. Mes gros soins, on les baisse comme ça. Remonte, Mowgli. Ouais, je voulais savoir, tu cherches quoi sur l'application? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est on dirait qu'il y a un feeling qui s'installe entre toi et moi. Non, je sais pas, de toute façon, on cherche les mêmes choses. La même chose. Là, je te fais rire. Ah, t'as déjà vu un feeling qui s'est installé entre nous? Bah, je sais pas, tu souris, t'as l'air avenante, au moins tu discutes avec moi, quoi. Non, je suis toujours souriante et je discute avec tout le monde, ça veut rien dire, ça. Ouais, ok. Chaud patate. T'es en Ile-de-France? Oui. Ah. Enfin, non, je suis à Paris même. D'accord, moi je suis dans le 93 à Neuilly-Plaisance, pas très loin, donc si tu veux aller boire un... Si je te plais, on se plaît en tout cas, je le remarque, tu peux aller boire un verre toi et moi. Ça n'engage à rien, tu sais. Je te jure, tu très matches, vite tu... même. Fais-moi juste un petit bisou alors, comme ça. Non mais Nicolas... T'aimes bien danser ou pas? Moi je peux twerker comme ça avec le cou. T'aimes bien twerker? Pourquoi tu mettrais pas la vapeur dans ton cul, cabron du caralho? Vaya merde! Parce qu'alors là, Mamour, j'ai du dossier sur la tête de ma mère, tu sais même pas ce qui m'est arrivé. En plus, elle est un truc de ouf comme toi, qui a monsieur. Il est témoin. Je suis tombé sur un mec, il a fini genre... En fait, je suis tombé sur un mec bizarre, un bi. Alors le bi, de base, c'est genre... Ah, j'aime bien ton piercing, machin et tout. Je suis ma merci, c'est gentil, mais il avait pas l'air genre... En fait, pendant un moment, j'ai fait le jeu des questions. J'en ai au moins 7 qui se sont enquillés. Donc 7, dont 3, en fait, c'était la même personne. Et en fait, je suis tombé sur un mec complètement fêlé. Mais genre, mais complètement fêlé. Et j'en ai un autre... Quand elle est arrivée, elle était comme. Et je crois que t'as mis combien de temps avant de trouver ton meilleur profil? Donc, sur le coup, il a rigolé. Donc, j'ai vu qu'il était plutôt cool, tu vois. Donc, il me dit, j'aime bien ton piercing. Et c'est, je lui ai sorti la blague de t'as deux bancs. Il y en a un, c'est un gâteau et l'autre, une bite. Faut que t'en manges un, mais faut que tu t'assoies sur un des bancs. Préfère t'asseoir sur le gâteau, bouffer une bite, ou t'asseoir sur la bite et manger le gâteau? Et en fait, le mec, il fait, moi, m'asseoir sur la bite, il me fait, je suis bi. J'ai fait, d'accord, bah, c'est cool. En fait, c'est ça que je te pose la question, parce qu'au final, tu me répondras. Et après, je sais plus ce qui me sort. Oh, et d'un coup, il me dit, ouais, je pourrais te plaire, ou je sais pas trop c'était quoi la question. Et là, d'un coup, il s'est vénère, il a craché sur le téléphone, mais je. Mais non. Il est vénère.